Allez, salut les amis du goudron bien fumant américain du sud, puisqu'on est au Texas à nouveau. On va continuer les aventures, bien entendu. Je ne vais pas les continuer tout seul comme d'hab. Allez, on accueille Marcus. Salut Marcus. Hey, bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Comment ça va, monsieur Capmat? Ouais, ça va. Je vois, voyez, Marcus, il est en train de rouler, de nous rejoindre. C'est lui qui a les papiers du contrat qu'on va faire aujourd'hui, puisque. Je vais vous le faire voir un petit peu sur le mien, logiquement, si ça se passe bien, mais c'est pas gagné hein, là-dessus. On va partir ici de Brandywine-Bourne, on va simplement aller terra pour finir justement notre livraison du bord de mer, parce que vous l'avez vu dans mon dernier épisode, moi j'en ai un peu marre hein, du bord de mer, ça me saoule. J'ai eu pas mal de petits soucis la dernière fois avec Marcus, donc j'espère qu'aujourd'hui ce sera la bonne, Marcus. Normalement c'est bon, hein. Là on va faire deux livraisons à partir des deux dernières boîtes. Et logiquement, le succès devrait être ok. Il devrait être validé. Donc, on va attendre qu'il arrive tranquillement, qu'il passe voilà, à l'entrée là. Voilà, tac. Petit contrôle, un petit check. Bonjour. Attention, ça tourne à droite après. Voilà. Et ce sera la première boîte à gauche. J'espère qu'elle sera bien, bien présente. Ouais, pareil, on a fait la cargaison avec le truckbook, comme vous savez. Permet de gérer vos cargaisons, des points de départ, points d'arrivée, ça vous permet de faire un peu ce que vous voulez, de faire des petits circuits aussi pour optimiser vos déplacements, ça sert à ça. Et bien sûr, on est de nuit. On est de nuit, bah oui, forcément, j'étais de nuit, donc comme c'est moi qui ai fait le convoi, le jeu a décidé que j'avais la priorité, mais juste pour ça, hein, parce que pour le reste, j'ai pas vraiment. Hein. Allez, attention, le portail. Voilà, je suis là, regardez, je suis pas très loin, les amis. Hop, à gauche. Tac. Allez, j'espère qu'elle y est bien. Allez, on va regarder ça. Alors, tu regardes bien parce qu'elle coûte cher, donc du coup, elle est peut-être dans les. En tout en haut. Elle y est pas. Brownsville, j'ai que dalle. Hein? Comment ça y est? Brownsville, j'ai rien du tout. Non, mais c'est vraiment pas. Enfin, c'est. Je sais pas en ce moment, ou alors c'est nous qui avons une fausse. Ils n'ont pas les choses comme il faut. Mais normalement elle devrait y être. Là tu la vois pas. Je regarde au cas où, je regarde. Boîte charpente, boîte. C'est quoi le mis comme truc qu'on transportait? R, oui, je sais pas. Tape quoi. R en haut si tu veux. R machin. Un barre de recherche. Attends, machin. Parce que sinon il y en a une Brownsville de Brownsville Port. Hein. Pire. Quand je fais les offres de traction, ils me proposent pas les autres lignes, c'est bizarre, c'est normal. Ouais, parce que t'es directement sur la boîte. Ah. C'est pour ça. J'ai rien. J'ai qu'une seule page du GPL. Les alors, de... ressort d'ici. On fait une tentative. Ressort du jeu. Tac, fais-moi comme ça d'ici, pour non. Voir. Ouais. Est-ce qu'on n'aura pas dû l'accepter tout de suite? Est-ce qu'on va la trouver? Ah, y a rien du tout, il n'y a que dalle, que dalle, que dalle. Bon, tu la vois pas. Brownsville, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Bon, écoute, si t'en as une de Brownsville qui va pas oui. Très loin, on va la faire. Elle va à Brownsville, donc on fera en deux fois. Brownsville, hein, moi j'ai envie de dire. Tac. Ouais, on va faire en deux fois, tant pis, c'est pas grave. Bon, je me doutais que ça allait machiner. Mais je me demande quand on se connecte s'il faut pas la prendre tout de suite avant même de rouler. Je me pose la question. Peut-être. J'essaierai ça une prochaine fois. Allez, donc on va d'où à où? Ben, elle y est plus, il y avait sur le truc, sur le world de machin, elle y était, là, elle y est plus. Elle y est plus. Alors, bouge pas. Par fait une mise à jour. Contrat externe, on va regarder où c'est qu'on est. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous va de pas loin, pas loin. Toc, de mon côté. C'est un peu loin, là. Bon, ça
Corpus Christi. Christi. La même. Ouais, ben, ouais, okay. Je vais regarder en mode de traction pure ce que j'aime, moi. Un peu de chance. Alors, un petit peu de la région. Ça veut pas faire. Ah ouais, c'est clair. Yes. Je comprends pas pourquoi. Bon, bah écoute, alors ça s'est fait 3 heures. Il me les a remis à jour et là il me les remet pas à jour comme par hasard. Ouais, bon, puis allez. Qu'est-ce que c'est, Spins? Et si j'essaye sur Truckboot de me la rebalancer en jeu, ça marchera pas? Si, sinon je vais essayer d'aller la faire moi de mon côté. Ouais. Je vais faire ça. Bon, allez. Du coup, les amis, on coupe et on revient. On fait comme d'habitude. Ouais. Hein, voilà. Les livraisons porte-mer, je vais dire, c'est la merde en ce moment. C'est la merde. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, on est de retour, et normalement c'est bon là cette fois. Voilà, on a bien calé les choses avec Marcus, tout va bien. Donc on va transporter des petites ailes d'avion pas très loin à terrain, ça devrait nous valider le succès. Alors bon, on a un peu de mal. Alors je pense que, alors je sais pas si je vous donne la petite astuce, je sais même pas si c'est une astuce d'ailleurs, mais quand vous faites vraiment une mission Truckbook, faut dès que vous rentrez dans le jeu tout de suite la prendre. Qu'elle s'affiche sur votre GPS en transport, parce qu'après j'ai l'impression qu'elle arrive à disparaître. Mais normal, elle ne devrait pas, hein, c'est pas logique non plus. Mais c'est effectivement ce qui nous est arrivé. Ouais. Là, je l'ai créé, je l'ai prise tout de suite, sans même rentrer dans le jeu, et c'est, ouais. Elle y était encore. Quoi. Normalement, c'est bien. Pas le principe, puisqu'on met un temps justement d'expiration qui dit que la mission, elle reste apparente pendant 144 heures, donc moi il y a de la marge, logiquement. Hein. Bon allez, on est parti en tout cas, ça va aller vite, c'est juste à côté, petit transport de routine, on va pas très loin, donc ça devrait bien se passer. Ouais, juste à l'autre en fait, ouais, de là-bas on prendra un dernier truc, puis ça sera bon. Hein. Oui, mais ça devrait faire les deux normalement. Ah ouais, mais tu te rappelles, je sais bien, on va voir ça. Allez, on transporte des ailes d'avion en tout cas, pour terminer ce succès là de livraison de bord de mer de Steam. Alors, mais ça a coûté cher celui-là. Eh hein. Punaise. On en a cassé du camion. Monsieur, on renverse les quilles. Bah ouais, mais c'est pas large. Il pourrait prévoir pour les camions, ces enfoirés. On est les rois de la route. Ouais. C'est clair. Ça tombe bien, moi je n'avais pas grisé cette zone, enfin grisé, jaunifié cette zone. Oui. Je veux griser. Non, je veux surtout pas griser. Pense ça, c'est mieux. C'est vrai. Bah nickel, nickel, nickel. Je suis passé avant le train. Ouais, j'entends les ding 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 ding.
Allez, je DTL, normalement ça m'en met une de plus. Voilà, je suis à 7 sur 8, c'est nickel. Ah, donc t'es pas à 8-8, donc ça en prend qu'une. Non. Ouais, ça arrive, ouais. Ok. Comment je vais me la faire celle-ci? Allez, je vais me la faire en aérien. Ça changera un petit peu. Hop! Voilà, oulala, je suis pas bien parti là. Il y en a une qui part de Terra et qui va sur McAllen, la ville juste à côté. Ouais, bah de toute façon, on va faire ça. Hein. Ouais, j'espère que ça nous a bien validé. Brownsville-Port, là, tout à l'heure, pas Terra. Je prends la livraison. Ouais, vas-y, prends. Allez. Donc, on peut pas se faire en fait la livraison direct, c'est un comptable disque hein, en fait. C'est un comptable disque, hein, ce valet, oui. Je sais pas pourquoi, puisque dans le descriptif. Du site, de Steam quoi, je veux dire du comment ça s'appelle, du succès Steam, ils disent bien effectivement c'est aller ou partir de, et là on est bien aller et parti, et toute l'entreprise ça nous a pas vidé d'eux, c'est super bizarre. T'as voulu la mettre en arrière celle-là, tiens. Alors, cette. Oui, je suppose, je fais des points. Je sais plus si j'ai fait le succès ou pas. Ouais, je crois que tu l'avais fait la semaine dernière. Je crois que ah merde, je suis pas le alors, mes pièces mécaniques, bah, let's go. Ok, la prendre. Allez, on est bon. Ça marche. Allez, où elle est là-bas? Bah, j'ai voulu la faire en caméra extérieure, cette me garer en fait. Ouais. C'était un calvaire. Ouais, c'est quand t'as pas l'habitude, c'est horrible. Hein, moi je fais de l'intérieur, donc du coup. Ouais, moi jamais en de l'intérieur. Extérieur, j'ai du mal. Après, il faudrait que j'essaye, hein, mais j'avoue que je fais jamais en intérieur, donc du coup. Ah, bah ça ferait peut-être le. Ah, bah. De challenge, tu vois, de rester en cockpit, c'est-à-dire la réalité, quoi. Ouais, bah ouais. Promène pas avec ton petit drone. Oh putain, ça commence. Et pourquoi je m'accroche là? Je m'accroche à quoi là? Il y a un super accident en sortant. Il y a un camping-car, un camion qui sont rentrés dedans. C'est en train de. Le camion, il est en train de regarder. Il tremble de partout le camion. Je suis pas encore là, je suis en train d'essayer de prendre ma remorque pour l'instant. J'ai un peu de mal. Ah ouais, d'accord, ouais. En fait, la moitié du camion est dans le sol en fait. D'accord. Ouais, bah attends, tu nous as bien fait le poirier la dernière fois. Ouais, mais c'est pas voulu. En fait, j'ai regardé la vidéo au moment où je me téléporte sur le lieu de réparation. Tu passes dessus et du coup, ça me fait un gros bug, ça m'a envoyé ailleurs. Allez, c'est bon, cette fois j'ai chargé. Ah ouais, regarde, le camion il est à moitié dans la structure. Ouais. Du coup, il tremble de partout. Punaise. Ah ouais. Elle est en train de me faire des dégâts là, je le casse. Mais c'est le bordel là! Bah ouais, c'est ce que je te disais. Oh, mais il y a un bouchon! Bah ouais, le camion il est. Ah, mais il saute là, je le vois, j'arrive! L'arrière qui est dans la structure carrément, il tremble de partout. Ok, je vais passer sur le côté parce que je pense que. Le camion est pris de tremblement. Ouais. C'est horrible un camion qui a peur comme ça. Ah, c'est... Ça fait mal au cœur! Bah j'ai essayé de le rassurer, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Rien n'y a fait. Ça a pas bien marché.
Non, j'ai pas dû dire les mots qu'il fallait. Ah mince. Bon, on a fond la caisse, hein, c'est ça? Bah ouais, je pense. Allez hop. Allez, on attaque la série des feux. Parti. Allez, 700$. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi les amis un petit peu en termes d'actualité. Je crois que il y a des équipes de SCS qui commencent à bosser. Alors c'est quoi? C'est Nebraska, que je me trompe pas, le prochain état. Donc ils ont été faire du repérage. Donc c'est assez rigolo. Jetez un petit coup d'œil sur si vous avez accès, il y a une petite vidéo. Comment ils font leur repérage, vous verrez une petite camion un petit peu à la Gold Street avec une petite caméra sur le toit. Ils ont été voir aussi des bâtiments un petit peu emblématiques, je pense, de l'État. Donc un gros travail de repérage, petite équipe de 4 personnes, vous verrez. Ouais, c'est marrant. Si on jaunifie un peu des trucs, mais pas trop là. Bon, moi j'ai déjà tout jaunifié là. Ah bah, par contre, en arrivant à McAllister, machin, je vais arriver dans une partie grise là, ça y est. Ouais. Ah, mais t'as bien avancé sur Texas, parce que Texas, putain, c'est tellement grand. Ah, c'est grand. Yes. Énorme, énorme. Voilà, il y a un petit bout de route et puis on va arriver tranquille. C'est vraiment à côté. Ok. Bah, parfait, comme ça on va valider. Ce sera fait. Je veux plus entendre parler de ce truc. Dirigeant ensuite sur un autre succès. Alors les autres, ils sont pas si simples. Hein, Non, il y en a un, c'est pas. Si c'est comme les bus. Et puis ça demande beaucoup. Il y a beaucoup. C'est une dizaine de livraisons qu'il faut faire. Donc ça se fait pas de suite. Ah oui, toi tu grises, enfin tu jaunifies alors que moi, ah oui. Moi j'avais déjà jaunifié cette partie-là. Eh ben moi non, tu vois, j'ai alors, pense aussi pour toi, tu me disais là, si les caméras ou les appareils photo. Comment? Si pense bien aux caméras ouais, et aux appareils photo, si tu ne les as pas fait. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai été me reposer. J'avais un appareil photo que j'avais pas fait, j'ai fait oups, clic-clic et c'était bon. Alors, parce que alors les appareils photo, je crois pas qu'il y ait de succès là-dessus, Steam. Par contre, caméra, oui, généralement. Ouais, ouais. Il m'en manque une dans le Texas de caméra. Ah, je sais pas où, mais. Bah, je crois que. Non, je crois que je les ai peut-être toutes faites, moi, je suis pas sûr. Et ça m'énerve, tu vois, je passe, c'est pareil, moi, par où je passe, il y a déjà du jaune. Donc, je me dis, j'ai l'impression que je prends des cargaisons, mais je fais toujours la même route. Ben ouais. Bordel. Voilà, on arrive tranquille. Ah, y a pas un petit garage aussi là? J'ai l'impression de voir. Un garage? Ouais, je vois un petit point d'interrogation, donc de un concessionnaire. Ouais, y a un garage à acheter aussi. Parce qu'il doit y avoir aussi des succès sur le nombre de concessionnaires que tu. Ou les agences de recrutement aussi, je crois parfois. Des découvertes. Ah, c'est possible. Par contre, ça fait plusieurs fois que j'y vais, ils me proposent toujours pas de nouvel employé. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire, toi. Merde, j'ai mis clignotant, je pensais qu'on tournait, on tourne pas, j'ai pris le feu. On tourne après. Ouais.
Bah pareil, j'ai pris le feu aussi. Je commençais à mettre le feu dedans, voir tourner et... Trop vite. La police m'a fait non, c'est pas possible. Enfin, ils m'ont dit no, it's not possible. Je crois que c'est quand tu vas trop vite. Bah là, c'était le feu. Oui, mais t'es rouge, mais t'as mis ton clignotant. Oui, mais j'ai pas dû assez tourner comme il faut. Je dis merde, non, c'est tout droit. Ah, souvent, moi je pensais que c'était à vitesse. Si t'arrives trop vite, ils te comptabilisent comme quoi tu mets le feu. Il a pas. Ouh, mais je vais peut-être jaunifier avant d'aller livrer là. Un petit peu à gauche ou à droite. Bah, c'est pas bête. Je vais faire ça peut-être avant d'aller livrer. Hop. Tu fais pareil? Ouais, je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. Ouais, nickel. Ça fera un 8, comme ça je vais jaunifier tout le bazar. S'ils arrêtent de me rentrer dedans tout bout de champ aussi. Là. Allez, pousse-toi de là, laisse-moi passer. Allez, je fais le bourrin, lance-pouvoir. Ah, tes conneries! Ça va me coûter trop cher! Ah, il fait une marche arrière, c'est quoi ce bazar? Il est en train de se garer sur l'arbre, la bagnole. Il avance, il repart, il avance. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Quelqu'un lui a rentré dedans ou quoi? Je crois bien, ouais. Il a pas aimé. Là, m'a dit tourner à gauche, non, je vais tout droit au punaise. Ah, regarde, le jour arrive. Faut pas désespérer. Nickel. Bah, je fais du jaune, hein. je fais le tour. Ah, pareil. Il y avait un garage tout à l'heure là où on était. Ouais, je suis devant là. Ah non, mais c'est pas un garage. Putain, j'ai cru qu'il y avait un autre garage. C'est bizarre, deux garages en ville. Est-ce que j'ai besoin de fuel, moi? Ouais, dans l'absolu, je vais mettre du fuel. Tiens, je suis là. Il y a des villes où il n'y a pas de réparateur. C'est bien dommage. Quand tu jaunifies, tu prends des dégâts. Et il y a des villes où il y en a deux l'un à côté de l'autre. Je trouve ça un peu bizarre. Je sais que les réparateurs, c'est les points de téléportation, mais ils auraient pu mettre d'autres choses comme points de téléportation, de manière à pas en mettre partout, je sais pas. Mais là, punaise. Du coup, tu prends des dégâts parce que je jaunifie, pareil. On fait un peu de tourisme, hein, les amis, vous le voyez. S'il fait jour, on en profite. Ouais. Allez, normalement c'est bon. Bah tu vas me dire si c'est bon. Ouais, c'est ouais, bon. Ouais, je viens de le voir, je suis content. Impeccable. Moi je suis encore en train de faire le tour de la ville.
Allez, moi aussi je vais réparer un petit peu quand même. Allez, comme on vient de réparer, on peut faire du rodéo. Ah oui, effectivement, oui, le concessionnaire et le garage juste à côté, ouais. Bah ouais, pas chercher. Hein. Allez, j'arrive. Allez, on va gratter un peu de temps, on va aller vite. Tac. Allez, c'est bon, c'est livré. Ouais, parfait. Livraison au bord de mer. Ouais. Nom de Dieu, on t'a eu. Parce que, ça s'est pas fait tout seul, j'en arrive. Là. T'as pris un truc ou pas? Eh, c'est ça, ouais, en bune, les gars. Ben ouais. J'ai rien pris du tout. T'as rien pris? Allez, nickel. Je vais aller voir ce qu'il nous propose. Ouais. Alors. On va aller sélectionner la ville. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Des palettes. Je regarde s'il n'y a pas des trucs pour les succès. Ah, papier usagé, je crois que j'en ai, mais c'est pas les bons. Palettes. Composants électroniques, papier usagé. Acteur de parc, emballage. Putain, dis donc, ils en font du papier usagé là. Ouais, ils en font. Aux usines où on aimerait avoir des capots de bus, on en a pas mal aussi. Ouais, là, carbonate de sodium, du verre, feu d'artifice. Téléviseur, pièce. Dans l'herbe, il y a pas mal de fleurs. Il y a des arbres qui ont été, à mon avis, rajoutés, des fleurs, des machins. C'est le mode printemps, ça, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses. Ouais. Bon, ok, pour ça, qu'est-ce qu'on a d'autre en classique? Pas sûr qu'on ait des petits trucs spécifiques. Christy, Austin, c'est moi. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de retourner à Bronzevins pour griser d'autres trucs dans l'autre sens? Comme tu veux, mais moi j'ai pas besoin. C'est pas pour besoin, moi, bon, c'est pour toi, on peut le faire, il y a pas de soucis. Non, j'aurai de la rédo aussi, c'est à côté. Allez, allons à la rédo. Allez, let's go. Je vais aller chercher la mission. Enfin, que tu reviennes par là, normalement. Bah, à Laredo, la ville. Oui, après. Enfin, on va livrer à Laredo. Ah, pardon, j'ai qu'on allait. J'allais me téléporter à Laredo. Oui, non, c'est pour ça que je suis. Non, on va juste en face, là. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. De toute façon, je vais aller prendre la mission. Alors, on va slalomer entre toutes ces voitures, hein. Ça va être possible. Oui, hop, tac. Je suis bon. On va à Wahlberg. Allez, ça marche. What's this? Allez où? Allez là. Parfait. Normalement, bah, tu
mais tu dois peut-être l'avoir déjà la mission, je suis en train de... Ouais, là, je suis en train de la récupérer. Bah oui, je vous disais. Et... on va transporter quoi? Fourniture de bureau. T'avais pas rêvé. Hein? Tu me vends pas du rêve, là. Mais si, les secrétaires sont dedans. Je t'ai vendu du rêve avec des ailes d'avion, c'était quand même classe. Ouais. On a décollé dans les virages. Ah là, ouais, tu vois, on va pouvoir aller encore beaucoup plus vite. On transporte les fournitures de bureau, mais on transporte les secrétaires? Ouais, c'est ça. Ah, nickel. J'ai de la place devant. Hein. Allez, let's go. On est parti. Akumukiki. Alors, en parlant de secrétaire, un petit coucou madame la baronne. Elle va apprécier, elle va apprécier. Hop, allez, je me mets en route. Tu vas où? Bah, la Redo. Moi, il me donne pas la Redo, c'est que tu m'as donné. Wahlberg, moi, faut que j'aille chercher. Oui, bah, chez Wahlberg, après, tu vas aller à la ville Laredo. Ah, mais t'as déjà pris la remorque? Ah, bah oui! Ah, pardon, ok, ça marche. Mais vivi. D'accord, j'avais pas compris. J'ai dit, tiens, punaise, il passe devant, mais il prend pas la remorque. On lui sera bien vite, mon bon monsieur. T'es une ch'ti de carriole? Ah ouais. Dieu, une balayeuse avec un camion poubelle. Walbert, mais y en a un autre là, putain, mais... Ah, ça m'énerve ces boîtes là où t'es obligé d'aller jusqu'au bout pour faire la route là. C'est pénible ça. Ah, ils aiment bien faire ça, ouais. J'espère que ça va me la compter parce que je suis même pas sûr. T'as un caddie, tu crois que je peux me faire un caddie? Bien sûr. Paf! Mais non, c'est un vrai obstacle le caddie, je te dis pas, ça stoppe ton camion direct. Ah, oh, j'y crois pas. J'en profite pour aller jaunifier un peu là-bas, je vais faire un aller-retour. Tu sors de la boîte, c'est ça? J'ai été me reposer, j'ai pas le choix. Ah, il baillait encore. Putain, il baille déjà l'autre. Bah ouais. Enfin, bizarre, hein. Pas très endurant, hein. Bah non. Bon, il a de la bouteille, c'est pour ça. Bah, on se devrait, je crois. Pas vu s'il y avait des mecs de caméra ici, non? J'en ai pas vu de caméra. Non, pas vu. J'ai pas fait gaffe non plus.
s'il y en avait ou pas. Ouais, il y en a pas. Allez, je te vois arriver, impeccable, j'ai eu le temps de faire mon petit tour. Impeccable. C'est quoi, c'est la police ça on dirait. Police, police. Ouais, la 40. 45. Faire la course la police là ou quoi là? Ouais, peut-être. Il a dû se dire, nous avons jamais poussé. Ah, c'est mal de connaître. Eh bah ben oui, enfin, moi je suis à fond 65, on est bon là sur la route. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait là, la police? Oh, fait de la course. Je crois pas. Putain, ça fait du jaune que d'un côté encore, ah, ça m'énerve. Ah, c'est pénible ça. Il y a des barrières au milieu, tu peux même pas. Il y a pas de barrière là. Bah, après, il y en a pas, ça fait chier de faire du rodéo, putain, je vais essayer quand même. Merde. Ça craint peut-être, hein, on va voir. Ah, on peut se l'allumer entre les palmiers là. Oh, attends, ça me. C'est pas bon. Ah oui, les ont enlevés là, d'accord. Ah, là, il y en a plus. Là, mais il y en a à nouveau. Là, faut pas que je le fasse. Je vais tout péter. Ici pas grand loin, je vais griller le feu, ça me coûte une blinde encore, non c'est bon. Cool. Pas du tout. Pense à jaunifier le truc d'essence là à côté. Ouais bah de toute façon enfin je reviens pour l'autre côté donc ah, de toute manière. Puis alors là attends ça se sépare encore là donc de toute façon tu sais c'est les villes t'es. Ouais, c'est un peu pénible. Y'a pas de feu là, qu'est-ce qu'il faut. Mais pourquoi vous roulez à gauche? Ah merde, mais ça sera bas. Je comprends mieux. Bon, il y a plus de missions sur Love of Truck, c'est moins rigolo, moins vite. Ouais, par contre, c'est ça. 65, c'est pas terrible, hein, franchement. Ouais. Ouais, gros 4x4 là. Alors fais bien attention si tu vois pas aussi des panneaux écrits là. Attends, faut que je ralentisse. Parce qu'il y a l'histoire. Il y a des panneaux, tu sais, comme chez nous un petit peu touristiques. Ouais. C'est succès Steam ça. Il y en a 30 à découvrir. D'accord. Mais après faut voir où c'est que c'est. Toi typiquement ici. Voilà. Hop, on va arriver là. Peut-être que ça va marcher. Voilà, passage, allez, hein, passage secret. Et du coup, est-ce que ça va me valider le truc historique ou pas? Je suis pas sûr, hein. Je sais pas trop comment on les valide. Allez. Et voilà, historique, historien passionné, 11 sur 30. Super. Voilà, site of Uri Beno. C'est là où tu es? Ouais, c'est là où je suis. Ok. Donc tu verras, tu vas peut-être. Tu en as peut-être déjà fait. Alors bon, un blablache. Alors les gars, je vous laisse un petit moment comme ça, vous pouvez lire. Alors, je vais vous mettre en grand écran. Hop, comme ça, ça ira mieux. Voilà, regardez le site du Uri Beno. Je sais pas ce qu'il c'est.
le pays des 5 Zapatas, je sais pas trop ce que c'est, des colons qui sont arrivés. Ok, tac tac, réservoir 1850, voilà, bon, allez. Tac tac, un petit peu d'histoire au Texas ici. José, allez, José, c'est Clemente, return to Hampton, Mexique. Donc voilà, donc ça aussi c'est Success Team, vous en avez 30 à faire, donc ces petits passages où vous voyez des petits bateaux, des panneaux un peu comme chez nous, hein, sur fond marron. Tiens, je vais me mettre là, voilà, tu verras, tu as un petit succès qui devrait arriver. Exact, 9 sur 30. Voilà, ça. Du coup on sent le professionnel de la route, bien entendu, qui est parti en sens inverse. Bien entendu, qui a loupé l'entrée, et bien sûr. Non mais du coup, ça t'a permis de tout faire en jaune, de toute façon j'ai dit qu'il fallait que je revienne, donc c'est pas la peine que je me casse la tête. On reviendra. Et voilà. Oh, il y en a même un autre là, non, j'ai l'impression qu'il y en a un autre après, ouais. Un autre marqueur historique. Voilà, parfait. Mais c'est ça qu'il faut faire. Voilà, les marqueurs historiques. Ce qui est bien ici. Allez, 11, 12 sur 30, moi. Eh bien, on n'est pas prêt. Alors, c'est quoi d'ailleurs? Regardez. Ah, toujours le pays de Zapata. C'est pas le même que chez nous, hein, les Zapata ici, je pense. Voilà, Antonio Zapata, créé en 1858. En l'honneur d'Antonio Zapata, le pionnier, un des pionniers de la région apparemment. Voilà. Donc voilà, quand tu vois ces petits panneaux, il faut bien penser à s'arrêter. Parce qu'on peut les valider. Il y en a un paquet, hein, 30 quand même à découvrir. Hein. J'avoue que je les vois pas toujours. Quand je roule. Ouais, bah, faut le savoir aussi, c'est un succès Steam. Hein. Quand je roule, on va dire que je roule quoi. Ouais, j'ai fermé quoi, c'est ça que t'es en train de dire. Pas forcément, mais bon, comment dire. Ouais. Ça cartonnait de l'autre côté, non? Ben je me demandais, mais ça ralentit plutôt. Ouais, ouais. Ça... Ils se font des politesses. C'est ça. Ah mais dis donc, c'est une remorque courte que tu as toi, non? Bah c'est une toute petite, je t'ai dit, toute petite. Ah ouais, bah... Ah non, c'est... je suis pas là, hein, Bizarre. T'as vu qu'une petite, ça va mieux, je connais moins les gens. Ouais bah oui, bah je vois bien que t'as encore fait... comme dad, un peu ce que tu veux. Ah, on arrive à l'arrêt d'eau, ça y est. Là encore 50 000 routes à jaunifier de partout, là ça va être bien marrant ça aussi, punaise. Ouais. Je sais pas, j'ai regardé la carte. Ah, il y a une caméra que j'ai pas faite. Ah bah tiens, t'as une caméra sur le passage, oui, est-ce qu'il y a un appareil photo peut-être pas très loin? Putain, il y a pas mal de trucs à découvrir là. On va Oh, bah on va pas trop mal passer, je pense, ce sera pas trop vilain. Parfait. Allez, comme ça tu peux faire de la caméra. Ah, elle sera de l'autre côté par contre. Ouh, le Marcus, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh, t'es retombé sur tes pattes. Merde. Hey. Je suis passé à droite, il y a une voiture qui m'est rentrée dedans, elle m'a commencé à mettre sur le côté. Par contre, je l'ai envoyé voler derrière le magasin là. Oh mon dieu. La voiture, je vois plus, elle est derrière le magasin marron, je sais pas où elle est. Alors moi je pourrais jaunifier, ça va passer, oui ça va passer, allez ça passe. Moi aussi ça passait tout à l'heure, puis il y a une bagnole qui m'a poussé. Ah merde, c'est sens interdit, ouais, ça va passer aussi. Hein. Ils sont foutus comment ces routes avec des sens interdits là dans ce coin là. Ah c'est terrible, terrible, terrible. Il y a un bus qui fait demi-tour, on sait pas pourquoi. Bon, je sens que c'est le bordel dans cette ville. Hé, hey, j'ai fait ma dernière caméra, nickel. Super. Je crois qu'on est bugué là au feu. Hein. Ça avance plus, je sais pas, ça avance plus. Hein? Merde. C'est peut-être suite à mon accident de tout à l'heure.
Je sais pas, ouais, parce que là, ils sont tous. Il n'y a pas un qui bouge, hein. Bon, oui, Koga. Attends, je vais m'avancer un peu là. Oh, gars. Ouais, c'est pas un gars, c'est une dame. C'est une dame. Eh, bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est Marcus qui fait con? Ah, t'as bloqué la circulation là, y'a plus rien qui avance là. Ah ouais? Oh bah c'est mort! La caméra c'est la ville, mais c'est pas terrible. Ouais, comme d'hab. Allez, on avance les amis là. Rien à faire hein? C'est tout bloqué. T'as paralysé la ville. Je te le dis, tu as paralysé la ville. Putain, je peux même plus reculer, je suis coincé là. Putain, il va falloir défoncer tout le monde là, non? Ah, c'est pas être possible, hein, les amis. Moi, je peux pas, là, j'ai une livraison à faire. Tant pis, hein, on va. Allez, les services publics, m'envoyez pas, vous remettrez le panneau. Ah oui, le camion, je suis rentré dedans celui-là. Là. Ah bah, c'est tout bloqué. Hein. Ah ouais, ben. Il est dans la structure, l'autre. J'essaye de m'en sortir, ça c'est bon. Je peux pouvoir passer. Allez, c'est bon. Oh, nom de Dieu. Ah bah t'as fait chouette hein. Ah l'autre je l'ai enfoncé dans le sol. Allez on rentre aussi. C'est pour faire du jaune un peu de partout. Non, tant qu'à faire. Mais il est passé au vert aussi. Oh, un truc de dingue. Comme si on faisait ça. Incroyable, jamais. C'est quoi ce bazar? Oula, oh, doucement la police. C'est bon, contresens. Allez, on va vite aller livrer. Oh, mais je suis pas arrivé encore. Putain, je fais le con, mais. Il y a encore un peu de route. Hein. Attends, par où je passe là? T'es pas trompé de route là? Non, non, faut passer par-dessus. Ouais, c'est pas évident hein, de comprendre leur truc à eux. Hein. Des moments, hein. T'es pas habitué. Ces échangeurs hein, pour jolifier ça, c'est une horreur. Hein. Ouais, c'était la galère d'une force. Ah, ça baille, enfin. Il y a encore une entreprise jaune derrière une entreprise où j'ai déjà livré. Ah, c'est quelque chose. Hein. Bah, t'as dû pas mal te balader. Donc. Bah, oui, moi c'est jaune aussi. Je suis venu la part déjà. Faut que je la pose où la remorque? Ah, mais je suis pas encore au bon endroit. Non, t'es pas rentré au bon endroit. Ah! Pas possible. Ah, tu vas pouvoir passer derrière, totalement. Je vais faire ça, ouais, je pense. Ouais. Ouais, je suis passé, il y avait des poubelles vertes, je les ai vidées. Ah, j'ai tout poussé. Bon, on va faire un déchargement rapide, c'est pas très grave. Hop, tac. Et non, mais j'oublie aussi que maintenant, il faut que je fasse. Que je choisisse mon stationnement, d'habitude il est pré-programmé, c'est pour ça. Bon bah nickel, hein. Petite pénalité de dégâts, normal. Hein. Ah ouais, on l'aura du tout. Moi. Bah ouais. Que dalle. Bah si, j'ai enfoncé un camion dans le sol, donc il a pas aimé. Ouais.
Bon, allez, voilà les amis, content d'en faire enfin la livraison Bordemer. Je sais pas ce qu'on va faire après. On va regarder un petit peu ce qu'il y a de dispo au niveau des succès. Steam. Ouais, faut qu'on choisisse avec Marcus ce qu'on va faire. Mais voilà, le Texas, c'est grand. Ah, on a de quoi faire. Oui, il reste pas mal de choses à jaunifier, mais même énormément, on va dire. Et donc, je vous disais, là, ça c'est le Kansas. Et la logique, c'est qu'ils travaillent bien sûr sur les prochains étages, je ne sais plus dans quel sens, hein, qui vont sortir. Mais on a encore, voilà, encore pas mal de boulot. Pas mal de succès Steam aussi dans les autres états, on verra ça aussi. On va déjà essayer de voir si on peut faire un petit peu le Texas. Puis ça permettra aussi à Marcus de finir les caméras, hein, je crois, c'est ça. Moi, bon, les caméras, c'est tout bon. Ah, bah tu l'as fini alors, t'as eu ton petit succès. Ouais, c'était mon dernier, 25 et dernier là à faire. Nickel. Ouais, bah nickel. Les villes, c'était fait, je crois. Moi, j'ai... Ah non, il m'en manque une ville. Texanarca. Putain, c'est où ça? C'est long. Ah, bah là, c'est là, faut que tu la fasses parce qu'il y a un truc spécial à faire là-bas. Ah! Ah! C'est on va peut-être faire ça alors. On va peut-être faire ça. On va diriger par là-bas, partir de Houston ou de Longview. Dallas, pourquoi pas, ce sera l'idée. Ouais. Et moi, bien sûr, il pleut, hein, normal. Oui. Allez, oui, effectivement, vous voyez la petite photo souvenir, vous le voyez, avec Marcus, voilà, qui s'est rangé à côté. Là-dessus. Bon, bah, allez, on va clôturer sur la fin de ces aventures de livraison bord de mer qui nous auront bien fait galérer, en tout cas, mon cher Marcus, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, mais bon, on y est arrivé, contrairement à... On est persévérant. Au plus de tout ça, j'ai toujours pas fini parce que j'arrive pas à trouver de livre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore cette histoire. Bon, c'est tellement compliqué ces capots, on verra ça. En tout cas, les amis, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut si vous aimez. Et puis, ben, on se retrouve suite des aventures sur ATS la semaine prochaine. N'oubliez pas non plus la compétition des vendredis. Vous avez l'air de bien aimer, effectivement. On vous en prépare d'autres, pourquoi pas. On s'approche tout doucement de l'épisode 150 aussi, on vous l'a dit. Hein. On vous ferait quelques petites surprises sur ATS que nous concocter Marcus. J'en dis pas plus. Et puis, ben, vous avez aussi tous les lives sur l'IFRN. N'hésitez pas. Voilà, allez, salut, bye bye à tous. Salut Marcus. Bye bye à tous, une très bonne semaine et à la prochaine session.